Salut à tous, c'est Furax et aujourd'hui je vais vous parler, je vais faire un petit peu de rétro gaming et vous parler un petit peu de l'Amstrad CPC 464 et 6128. Alors qu'est-ce que c'était que cet ordinateur? C'est un fossile, on peut dire, qui est relativement vieux. C'était un des premiers ordinateurs personnels de la gamme Amstrad CPC. Il avait un affichage couleur, bon, on pouvait prendre un monochrome, c'était tout vert, c'était tout moche. Il avait 64 kilo-octets de RAM et 32 kilo en ROM, en utilisant un langage locomotive basique 1.0. Voilà, je rentre dans la technique, hein, mais après, voilà, merci Wikipédia. Donc à l'époque, 3 500 francs, ça va vous coûter un rein, quoi, en gros. Une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut dire en description? Il utilisait un processeur Zilog Z80A 8 bits à 4 MHz. Enfin bref, voilà, je lis Wikipédia, hein, parce que bon. Mais c'était juste comme ça. Donc 64 mégas de RAM de mémoire vive et 32 kilo octets de ROM. Extensible à 4 mégas, ça cause. Hein. Donc il avait un lecteur de cassette. À savoir que c'est le premier support que j'ai eu. Alors les cassettes, hein, c'était des cassettes, tout ce qui serait plus normal, qu'on mettait dans l'ordinateur qui avait un port cassette. Donc il fallait à peu près 2 heures de temps pour charger un programme. À savoir que ça s'affichait ligne par ligne. Une catastrophe. Et encore quand ça plantait pas, ce qui était relativement souvent. Enfin bref, c'était la misère, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'était relativement costaud comme ordinateur. Mon clavier, c'est AZERTY ou QWERTY. C'est selon. Sinon, bah voilà quoi. Il n'y a rien de spécial. Hein. Moi, je vais plus vous présenter les jeux que j'ai eu sur Amstrad 464. Je vais faire ça en plusieurs parties parce que j'en ai eu beaucoup. À savoir que c'était beaucoup des jeux piratés. Enfin, piratés, à l'époque, on parlait pas trop de piratage. Vu que ça tenait sur une cassette. Vous savez, il suffisait juste d'avoir un double lecteur de cassette. Vous pouviez copier la cassette. Hein, donc, c'était pas non plus. Je me souviens, quelques anecdotes. Le jeu Outrun, en fait, vous aviez la musique sur une cassette et le jeu sur une autre. Donc, pour pouvoir écouter les musiques, fallait un lecteur de cassette normal pour écouter la musique pendant que vous jouiez. Enfin voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça, c'était marrant, quoi. Donc voilà, on va commencer un petit peu. Hein. Je vais commencer à vous présenter un petit peu les jeux. Donc là, on va commencer par 3D Fight. Alors, 3D Fight, c'est un des premiers jeux que j'ai eu. C'est même le tout premier que j'ai eu, d'ailleurs, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur 3D Fight? Attendez, je regarde sur Google. On ne doit pas y avoir grand-chose à en dire. Hein. C'est un jeu de tir en 3D. C'est marqué aux commandes d'un vaisseau spatial. Vous devez affronter les hordes de vaisseaux ennemis au-dessus d'une planète inconnue. La vue est celle du cockpit en fausse 3D avec des sprites. Pour corser le tout, s'ajoute au tir des vaisseaux ennemis, météorites, tirs de défense, antiaérien, vaisseau kamikaze. Waouh, trop bien! Allez, on va commencer une partie, si j'y arrive, évidemment. Allez, go! Je crois qu'il faut attendre que la musique se termine. Allez, go! Alors déjà, les commandes sont inversées. C'est la misère. Fuel. Je suis vraiment nul, hein. Ah d'accord, il y a un brrrt, ça veut dire qu'il y a un vaisseau qui est arrivé par derrière. Toujours bon à savoir. On dirait les soucoupes de Goldorak. J'en touche pas une. Ah si, ça y est quand même.
Ah, j'ai détruit du fuel. Super. Attention. Il y a quand même un bip pour vous prévenir qu'il y a des vaisseaux qui arrivent par derrière. Hein. Ah, quand même. Ouah, ça a changé de couleur. C'est trop bien. Ah bah, d'accord. Enfin voilà, des vaisseaux ennemis, c'est toujours les mêmes vaisseaux. Donc c'est un peu pourrave, quoi. Là, il me fonce dessus. Oh, des météorites. Oh là. Ah, j'ai passé un niveau, bonus 1000. Trop la classe. Ouh. Le truc est un peu incurvé. Quel changement de décor. Enfin voilà quoi, je crois que je vais pas non plus m'éterniser. Je vais essayer de passer 2-3 minutes sur chaque jeu parce que sinon je vais faire des vidéos de 3 heures. Je vais faire une partie hein, et puis basta, hein, voilà. Donc là j'ai dû perdre. Je suis en game over. Ah, j'ai encore un vaisseau. Ah, bah voilà, évidemment, il y a un météore, je me le mange. Allez hop, on va passer au jeu suivant. Et voici la dernière simulation de F1 sur PC. La simulation qui tue. Non, je rigole. Donc, Amsoft 3D Grand Prix. Amsoft, c'était aussi une marque de manette. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors, je vous dis tout de suite, je vais vous montrer 2 minutes le jeu, parce que moi, les jeux de voiture, je déteste ça. Et d'ailleurs, je suis vraiment une grosse bouse, c'est-à-dire à ces jeux. Donc, ça va être tout de suite vu. Allez. Mon 3D Grand Prix, j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, c'est l'histoire d'un pilote. Qui doit conduire une voiture, et voilà quoi. Donc, jusque-là tout va bien. On va savoir que c'est bien difficile de rétrograder, c'est bien difficile de piloter. Ah, voilà, j'ai pu accélérer. Pourquoi je ne sais pas. C'est pas des virages de PD, hein. Magnifique bruit des dérapages. Et là, je vais dans le décor. Je sais pas pourquoi. Hein, c'est pas grave. Hein, j'y vais quand même. Donc, je vais vous présenter le cinquième axe. Un très très bon jeu. Un des meilleurs. D'ailleurs, je pense que qu'était sur Amstrad. Donc, l'histoire. Alors. Ouais, l'histoire. Vous êtes le professeur Dick. Vous avez trouvé le moyen d'aller dans le temps, je crois. Enfin, il y a une histoire comme ça. Et il y a eu des dysfonctionnements temporels, on va dire. Et vous devez récupérer les pièces d'une machine pour pouvoir sauver le monde. Enfin, une connerie comme ça. Et donc, vous allez devoir récupérer les pièces de la machine pour pouvoir aller dans le. À sauver le monde. Enfin, voilà quoi. Parce que les histoires étaient assez floues quand même, hein. On peut pas dire que ce soit quelque chose de. Donc, le jeu. Vous aviez plein de petits étages comme ça que vous deviez monter. Vous deviez récupérer des pièces, ce qui fait augmenter votre compteur 5e axe en haut à droite. Et une fois que le compteur est à 10, vous allez dans une époque pour pouvoir récupérer une pièce de la machine. Voilà, tout simplement. Il n'y avait rien de compliqué. Ah, par contre, le jeu, c'est autre chose. Hein. Vous voyez, vous avez plein de petits. Des espèces de croix, des espèces de petits symboles. Quand vous mettez la manette en bas, c'est que vous avez l'objet en bas à gauche, vous pouvez traverser le machin sans tomber. Ce qui est magique. Donc, vous devez tuer plein de monstres. Hein. Vous avez. Un tas de trucs.
Oui, hop, j'ai réussi à passer parce que j'avais l'objet justement en bas. En même temps, il ressemble plus à un ninja qu'à un professeur. Ah bon. Pas lui en vouloir. Le jeu était sympathique, hein. Je sais qu'on a mis du temps à trouver ce qu'il fallait faire, à trouver le but du jeu, parce que vous arrivez comme ça, vous êtes complètement perdu. Vous avez pas de notice, hein, on l'avait acheté, le jeu, vous aviez rien du tout. C'est vas-y, démerde-toi. J'ai essayé de vous montrer comment ça se passe quand on passe une époque. Si j'y arrive, hein, parce que j'ai pas passé 3 heures sur ce jeu. On va savoir que ça se course après, parce que au début c'est facile. Allez, je vais bientôt passer l'époque. Voilà. Là, vous avez une course à faire en évitant des pics et puis des lances, et puis vous allez récupérer une pièce de la machine. Savoir que là, quand la flèche arrive au milieu, je mets un coup de poing dans la flèche. Il est fort quand même, ce professeur Dick. Donc 1914. Donc là, je vais vous présenter 3 jeux d'avion. Hein. Je vais pas éterniser sur les jeux. C'était 3 jeux, des shoot'em up, tout ce qu'il y a de plus classique à part celui-là, qui était vraiment pourri quoi. Il y avait rien du tout en fait. Il y avait même pas de fond. Il y avait même pas de fond. Il y avait rien du tout. Diriger un pauvre avion. Vraiment minable quoi. Allez, un joueur. On est parti. On va faire la guerre. Regardez-moi ces graphismes magnifiques. Moi, je vais pas m'éterniser, c'est vraiment pour vous montrer comme c'était pour grave à l'époque. Je vais essayer de le tuer une fois quand même, pour le fun. Ah là, je suis trop bon. Ah, il a vraiment fait fort au niveau, c'était vraiment de la merde. Il pouvait vraiment faire des bons jeux, mais alors celui-là c'était vraiment de l'ado. Il n'y a même pas de décor, il n'y a rien du tout. Allez, je vais arrêter. Voilà, je vais passer à Allez, 1942, c'est 1940. parti. Un jeu Elite de 1986. Allez, One Player. Je m'attarde pas sur ces jeux-là hein, parce que vraiment il y a rien à en dire, c'est juste du shoot'em up classique quoi. Surtout ceux-là quoi, c'est vraiment du pas grand-chose on va dire. C'était magnifique, il y avait 3 points qui se baladaient à l'écran. Pas des grosses fenêtres quand même. Donc voilà, je vous dis pas grand chose à en dire. Graphiquement, c'était pas bien beau. Après 1943, ils ont quand même fait un jeu relativement, quand même beaucoup plus joli. Allez, je vais Plus vous passer joli, un plus mieux. fluide, vraiment, vraiment mieux.
Par contre, celui-là, il date de quand? Exocet 1943. C'est même pas marqué. Dommage. Ah, si, 1900. J'ai pas vu. 88, hein, et 2 ans de plus quand même. Ah, j'ai dû mettre deux joueurs, je me suis trompé. Pas grave. Oui, c'est quand même plus fluide, plus rapide. Graphiquement, l'eau est mieux faite. Les avions sont plus gros. Il y a quand même pas mal de changements. Après, ça reste du shoot, hein. Mais mieux. Quand il commence à y avoir un peu trop d'avions, ça a tendance à ramer. Le jeu était bien pour son époque. Après, je sais pas pourquoi ils ont pas fait des pleins écrans, peut-être qu'il n'y a pas assez de mémoire, ou bon, certainement une histoire pour ça. On va mettre des 1943 de chaque côté. Bon, je vais passer au jeu suivant.